We've been looking at the reform line of the Millerites. On a regardé à la ligne de réforme des Millerites. And we've looked at a number of dates. Et nous avons regardé à une série de dates. But as we're focused on the time of the end, mais nous nous sommes focalisés sur le temps de la fin. We've seen that it's not referring to the end of something that preceded it. Nous avons vu que cela ne fait pas référence à la fin de quelque chose qui le précède. In the sense that it's the end of a time prophecy. Dans le sens que c'est la fin d'une prophétie de temps. But it's the end of a story that has some beginning. Mais c'est la fin d'une histoire qui a un commencement. It's a period of time. C'est une période de temps. Therefore, we have two waymarks. Par conséquence, nous avons deux balises. So, depending upon your reference point. Tout dépend de votre point de référence. Depends where you end this story. Tout dépend où vous finissez cette histoire. Now, if we're going to use 1798. Si nous faisons utiliser 1798. And we're going to use Daniel 11 verse 40. Et qu'on va utiliser Daniel 11 40. Then the verses themselves direct you to the end point. Donc les versets en eux-mêmes vous amènent à la fin. Which I'm saying is Daniel 12, verse 3. We've put verses 1 to 3 on the board. Et où je vous dis qu'il s'agit de Daniel 12, le verset 3, et on écrit sur le tableau 1 à 3. We then try to explain what this story would look like. On a essayé d'expliquer à quoi ressemblerait l'histoire. We went to the book of Genesis. Nous sommes allés dans le livre de la Genèse. We didn't open any verses up. We just used it as a concept. Nous n'avons pas lu des versets. Nous l'avons juste utilisé comme en tant que concept. So this gives you the idea. Cela nous donne l'idée. That this story is 6,000 years old. It's the great controversy on earth. Que l'histoire de 6000 ans, c'est l'histoire de la grande controverse sur la terre. Then we went to Acts of the Apostles. Puis nous sommes allés à Conquérant Pacifique. When we look at Acts of the Apostles, the way Ellen White describes the history. Et la façon dont Ellen White décrit l'histoire. Of chapter 5. Du chapitre 5. In the English, it's page 47. En français, c'est 49. Conquérant Pacifique, la page 49. What she begins to do. Ce qu'elle commence à faire. Is talk about that history. With different reference points. Elle parle de cette histoire avec plusieurs points différents de référence, points de référence différents. She begins by saying, near the close of Christ's ministry, they receive the gift of the Spirit, a special outpouring. Et elle commence en disant, presque à la fin du ministère de Christ, ils ont reçu le don de l'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. So we had that on the board here. Donc c'est ce qui est décrit sur le tableau là. This period is the end of Christ's ministry. Cette période, c'est la fin du ministère de Christ. Or the end of the 7 years of Daniel chapter 9. La fin de cette année de Daniel 9. As Christ's ministry is closing, he promises them the Holy Spirit. Alors que le ministère de Christ se termine, il a promis le Saint-Esprit. So we want to understand that description in a specific way. Il nous faut comprendre cette description d'une façon spécifique. People were observing that Christ was the comforter, then the Holy Spirit was the comforter. Il y a des personnes qui ont observé que Christ est le consolateur, mais également le Saint-Esprit. That's correct. Et ça, c'est juste. But I wasn't looking at it from that perspective. Mais moi, je ne le regardais pas sous cet angle. We see when the Holy Spirit comes. Nous voyons lorsque le Saint-Esprit arrive. There's some external evidence. Il y a des preuves externes. In these stories, it's the dove and the fire. Parce que dans ces histoires, il s'agit donc de la colombe, ensuite du feu. Then the Holy Spirit gives you power to do a specific work. Puis le Saint-Esprit nous accorde de la puissance pour accomplir une œuvre particulière. And there's an exhibition of that power. Et il y a une manifestation de cette puissance. And here it's speaking in tongues. Ici, là, c'est le parler en langue. For the disciples. Pour les disciples. And for Christ. En revanche, pour Christ. It was turning water into wine. C'était la transformation de l'eau en vin. And both exhibitions of power. Et ces deux manifestations de puissance. Are connected to the work that they're doing. Sont en lien avec l'œuvre qu'ils accomplissent. Which is the work of the gospel. Qui est donc l'œuvre de l'évangile. So,
We saw that these were repeating histories. Et nous voyons donc qu'il s'agit d'histoires qui se répètent. As we went through the paragraphs, et alors que nous avons parcouru le paragraphe, we see that she makes this interesting point. Nous avons vu qu'elle a fait ce commentaire intéressant. After having said that it's the latter rain, it's the latter rain in this history. Après avoir dit qu'il s'agit de la pluie de l'arrière-saison dans cette histoire, she then says, elle dit ensuite that the same history was the former rain. Que cette même histoire, c'était la première pluie. And when she does that, it's a completely different reference point. Et lorsqu'elle fait cela, c'est un point de référence totalement différent. So we have that here. Donc, et c'est ce que nous avons là. Same history is the former rain. La même histoire, là, c'est la première pluie. And then she talks about the latter rain at the end. Et ensuite, elle parle de la pluie de l'arrière-saison à la fin. So, we spent quite a bit of time now. Nous avons passé suffisamment de temps. Going through that concept. À parcourir ce concept. So the way I've explained it. La façon dont je l'explique. People explain it in different ways. Les personnes l'expliquent d'une façon différente. I'm not saying my way is the only way. Je ne dis pas que ma façon de l'expliquer est la seule façon. I use language that makes sense to me. J'utilise un langage qui a du sens pour moi. Everyone explains it in their own unique, different way. Et chacun l'explique de leur propre manière. So we've seen two concepts. Nous avons vu donc deux concepts. We've seen this concept of progression. Nous avons vu là ce concept de la progression. Which we originally called story. Que nous avons appelé originellement l'histoire. And you can see the artwork shows you that it's a line. Et vous voyez que le dessin nous montre qu'en fait qu'il s'agit d'une ligne. So I'm using line, story, and progression interchangeably. Donc j'utilise des histoires d'une ligne de façon interchangeable. And of course, when you do that, et bien sûr, lorsque vous faites cela, each waymark, chaque balise, is different. Est différente. They're not connected together. Elles ne sont pas en lien ensemble. In the sense that they're the same. Dans le sens qu'elles sont la même. Each one becomes a stepping stone. Chaque balise devient une pierre de touche. That leads you from the past into the future. Qui vous conduit vers le passé, du passé vers le futur. So the way we're describing that, or the language that's being used nowadays. Et le langage qui est utilisé de nos jours. Is we thread a story through these waymarks. C'est que nous faisons passer un fil tout le long de ces histoires. And hopefully de ces balises, pardon. You've seen the imagery for that. Et j'espère que vous avez déjà vu l'illustration pour cela. If this was a needle. Si ça c'est une aiguille. With an eye. Avec un trou. You turn each one of these waymarks into needles. Donc toutes ces balises sont changées en aiguilles. And you run a thread through the eyes of those needles. Et vous faites passer un fil tout le long de ces aiguilles. So you need to have a connecting story. Il nous faut avoir une histoire qui est en lien. Now qui this se connecte. This movement has been doing line upon line for a long time. Et ce mouvement a utilisé la méthode ligne sur ligne depuis longtemps. And we've done it for so long. Et nous l'avons pratiqué si longtemps. As I look through this congregation, probably 90% of you have only been in this movement for less than 4 years. Quand je regarde à cette assemblée, 90% d'entre nous sont là dans le mouvement depuis 4 ans au moins. So when you've come into the movement, lorsque vous êtes venu dans le mouvement, the reference point that you've been given, le point de référence qui vous a été donné, is line upon line. C'est ligne sur ligne. And it's been embedded in our hearts and our minds so much. Et c'est tellement ancré dans notre esprit. That we forget. Que nous oublions. All of this is a story. Que tout cela, c'est une histoire. And it's not line upon line. Que ce n'est pas ligne sur ligne. Because we forget that important concept. Et parce que nous avons oublié ce concept important. It funnels us into making bad judgments. Ça nous a formé à avoir de faux jugements, mauvais jugements. When you make bad judgments, you end up making mistakes if you're not careful. Parce que lorsqu'on finit par avoir de mauvais jugements, eh ben on a de mauvaises conclusions, ou ça. If you make bad judgments, you can end up making mistakes. Okay, si on a on fait un mauvais jugement, ben on finit par commettre des erreurs. So what I mean by that, ce que je veux dire,
is when you do line upon line, c'est quand on fait ligne sur ligne, you end up taking these waymarks as independent thoughts or ideas. On finit par prendre ces balises comme des pensées ou des idées différentes, indépendantes. Independent events. Des événements indépendants. 1989 is a struggle between the King of the North and the King of the South. Est une lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. And the 9/11. Et 9/11, 11 septembre. Has got nothing to do with that. N'a rien à voir à faire avec cela. Totally separate thought. C'est une pensée tout à fait différente. It's something to do with the King of the North and Islam. C'est quelque chose qui a à voir avec le roi du Nord et l'islam. So now we've got two independent thoughts. Donc maintenant nous avons deux pensées indépendantes. Events. Deux événements. Waymarks. Deux balises. On a line. Sur une ligne. The line which makes it progression. Qui fait que cette ligne devient une progression. So if we were just thinking progression. Et s'il nous fallait penser qu'à la progression. Like Adventists do. Ou comme le font les Adventistes. We should have picked up that there's a problem. On aurait dû voir qu'il y a un problème. We don't have a story. Nous n'avons pas une histoire. We don't have thoughts or concepts that are connected to each other. Nous n'avons pas des pensées, des concepts qui sont en lien les uns les autres. And this leads to mistakes. Et cela conduit à des erreurs. So, what we're now doing is redressing this. Et ce que nous sommes en train de faire, donc c'est on recadre cela. Bring the redress. Et dans ce recadrement. When a lot of emphasis is now placed upon progression. Là où beaucoup d'emphase est mise sur la progression. The difficulty is. La difficulté. People want to throw away line upon line. Les personnes veulent mettre de côté la méthode ligne sur ligne. And what many of us are unable to do. Et ce que beaucoup d'entre nous ne sont pas en mesure de faire. Is conceptualize two models at the same time. C'est de conceptualiser en même temps deux modèles. It becomes difficult to do that. Et cela devient difficile de le faire. To think of progression and line upon line at the same time. De penser au même temps à la progression, à la méthode ligne sur ligne. So this is what we need to become familiar with. Et c'est avec cela qu'il nous faut devenir familier. In order to really navigate through the midnight cry, through the last moments of our reform line. Afin de naviguer dans le message du cri de minuit, notre dernier moment de notre ligne de mouvement. So we're in the time period to prepare nous sommes the harvest. Dans cette période de temps pour nous préparer pour la moisson. If we think about Raphia Ascalon as the harvest. Si nous pensons comme Raphia Ascalon comme étant la moisson. Part of that preparatory work. Une partie de cette œuvre préparatoire. I'm suggesting. Je suggère. Is to be able to deal with this concept of progression and line upon line simultaneously. Et de gérer ce concept ligne sur ligne et de progression de façon simultanée. So that's why we're placing so much emphasis and spending so much time looking at that. Et c'est la raison pour laquelle nous avons passé autant de temps et on a mis beaucoup l'emphase sur ce point. Hopefully what we've seen j'espère ce que nous avons vu through the study of Acts 55 dans l'étude de Conquérant Pacifique 49 we haven't finished that study yet. Nous n'avons pas encore fini cette étude. Is that this concept, c'est que ce concept of progression and line upon line is not something that we've invented. Que ce concept de ligne sur ligne et de progression n'est pas quelque chose que nous avons inventé. You can go to Isaiah 28, verse 10 and 13. Vous pouvez aller dans Ésaïe 28, 10 et 13. And you can take that phrase line upon line. Et vous pouvez prendre cette phrase ligne sur ligne. And we can turn it into history, connected with history. On peut le changer et le faire passer comme une histoire qui est connectée avec une histoire. The history of Christ, the history of the Millerites. L'histoire de Christ, celle des Millerites. And people would argue that those verses don't mean that. Et les personnes donc débattent, discutent en disant que ces versets ne signifient pas cela. So I'm saying even if those verses do not mean that. Et je dis même si ces versets ne signifient pas ça. If they meant something else. Si ils signifient autre chose. We can see that this concept. Nous pouvons voir que le concept. Of
merging histories together, de mélanger les histoires ensemble, is something that Ellen White uses frequently. C'est quelque chose que Ellen White utilise fréquemment. And this is only one example of it. Et il ne s'agit que d'un seul exemple de cela. I'm not even saying it's the best example. Et je ne dis même pas qu'il s'agit du meilleur exemple. The only reason we went there, la seule raison pour laquelle nous sommes allés là, is we looked at the close of Christ's ministry. C'est parce que nous avons regardé à la fin du ministère de Christ. Which to me, qui pour moi, sounded like the time of the end. Semblait être le temps de la fin. The time of the end, there's going to be this special work that's going to be done. Le temps de la fin, car il y aura cette œuvre particulière qui sera faite. So connected with progression. En lien avec la progression. And the fact that you can turn that into line upon line. Et le fait que l'on peut changer cela en ligne sur ligne. Is this third observation? C'est cette troisième observation. That there's this overlapping, or I think you call it superpositioning. Et il y a cette superposition. So this idea of overlapping. Et cette idée de superposition. Is easy to miss. Elle est facile à passer à côté. Because we're not so familiar with that. Parce que nous sommes pas si familiers avec, accoutumés à cela. And it's not always occurring, it's not always overlapping. Et ce n'est pas toujours qu'elle se superpose. So, why is this idea of overlapping so important? Alors pourquoi cette idée de superposition est-elle si importante? What's it teaching us? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Sister Tracy. Tracy. The story is repeating. L'histoire se répète? Non. Non. Of course that's true, but it's not the answer that we discussed about this overlapping, what it shows us. Donc c'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas le point qui a été étudié ou discuté sur ce concept de superposition. Sister Michelle? Michelle? Non? Allez, Johan? Les mêmes caractéristiques. So the same point can have same characteristics. So the same point. Le même point. Can have the same characteristic. Les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que on peut superposer deux temps de la fin qui sont à deux périodes différentes. That means we can overlap two time of the end. That is two different points in the story, in the history. Okay, it's you've got most of it, but not exactly. Tu as la plupart des informations, mais elles sont pas exactes, tout à fait. Brother Dominique. Dominique. J'aurais dit la même chose, mais c'est vrai que les points. So he will say the same thing as 1 equal 2 equal 3. C'est la même chose avec les balises que l'on peut superposer. So it's the same thing with the remarks that we can overlap. Okay, so what I want us to see. So ce que j'aimerais que nous voyons. We have 1, 2, 3. Lorsque nous avons 1, 2, 3. Here, on the progressive là, sur concept, la ligne progressive. And then we turn it into line upon line. Et que nous le changeons en ligne sur ligne. That's two ideas. Là, c'est deux idées. And you don't have to have overlapping for that. Et là, tu n'as pas besoin de les superposer. We could do this. On peut faire cela. We could say, this is the time of the end. On peut dire, voilà le temps de la fin. This is the time of the end. Et ça, c'est le temps de la fin. There's no overlapping here. Et là, il n'y a pas de chevauchement là. So this idea of overlapping is something slightly different. It's connected, but it's different. It's another piece of information that we need to add into our understanding. Donc, cette idée de superposition est quelque chose de différent. C'est un autre point qu'il nous faut comprendre. Sister Isaline. Isaline. Donc, c'est quoi les bleus de superposition? Plus fort, Isaline. So, it's like you take a part of like the beginning of a history and the end of a history and you put it under another one to
Donc le commencement et la fin d'une histoire deviennent aussi peut devenir le commencement d'une autre histoire. Okay, so what Sister Isaline has done is explained the board work. Donc ce que Isaline a fait, c'est qu'elle a expliqué le travail, le tableau là. Accurately. De façon juste. So she's explained what's happening. Elle explique ce qui se passe. Which is where we would start. It's an observation. Donc c'est une observation, hein. But we just want to get the concept of what that would teach us, why it would be so important to see that. Parce qu'il nous faut saisir le contexte, pourquoi il est si important de voir cela. My sisters? Ou Itamar? We'll go with Itamar first. Itamar. Can you repeat the question? You're okay with progression? Tu es d'accord avec la progression? 1, 2, 3. 1, 2, 3. And you're okay that you can take this line of progression. Tu es d'accord qu'on peut prendre cette ligne de progression? And you can turn it into line upon line. Et qu'on peut la mettre en ligne sur ligne. So 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. All can line up. Peuvent tous s'aligner. And we would call that. Et on va appeler cela. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Often we call it the time of the end. Souvent on l'appelle le temps de la fin. But I've changed it. That waymark would be called the Holy Spirit waymark. Mais j'ai changé, j'ai dit cette balise va être le sel du Saint-Esprit. You're happy with those two? T'es d'accord avec ça? Now we see. Maintenant nous voyons. That there's this overlap. Il y a ce chevauchement ou cette superposition. And what is that teaching us? Et qu'est-ce que cela nous enseigne-t-il? What are we seeing? Qu'est-ce que nous voyons? Speak a little bit louder. Sorry. Je pense que c'était une fin, enfin une même valise qui va être la fin et le sens. Okay, the same way mark can be also the beginning and the end. Same. Way mark. Good. So the same. Let's not call it a way mark. Donc on va pas l'appeler la balise. Donc la même balise peut être le commencement et la fin. Because this is a period of time. Parce qu'il s'agit là d'une période de temps. So it's the same history. Donc la même histoire. Can be what? Peut être quoi? Le début. So can be the end of the time period, but also the beginning. Sister Gladys? Gladys? Une histoire peut avoir un sens différent tout dépend de la section dans laquelle on est. So a story can have a different meaning depending of which section, dispensation, section we are and what we want to show. Okay, so let's summarize all of those thoughts. Alors, résumons toutes ces pensées. You have an experience. Nous avons une expérience. What's the experience that Quelle we're having? Quelle est donc l'expérience que nous avons? Anyone, just shout out. What's the experience? Je vais te lancer, dites la question. First, former rain, latter rain. Okay, so I don't want to use it in the context of former or latter rain. Je ne veux pas l'utiliser dans le contexte de la première pluie et de la pluie de l'arrière saison. The story, what's happening? L'histoire, que se passe-t-il? Go to Acts of the Apostles, chapter 5. Donc, allez dans Conquérant Pacifique, le chapitre 5. Title. Le titre. A Gift of Holy Spirit. Okay, le so don du Saint-Esprit. We're in a history. Nous sommes dans l'histoire. Where the Holy Spirit is being poured out. Où le Saint-Esprit est répandu. And without considering former or latter. Et sans considérer qu'il s'agit de la première ou de la dernière pluie. It's a new manifestation of God's power. Il s'agit en fait d'une nouvelle manifestation de la puissance de If Dieu. If we can understand it that way. Si nous pouvons le comprendre de cette façon. Because the disciples have already had the Holy Spirit, haven't Parce que they? Les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Yeah. In this history, dans cette histoire, after the baptism, après le baptême, they went out.
Ils sont partis. Healing people. Ils sont sortis pour guérir les gens. Preaching the gospel. Et prêcher l'évangile. Same thing they're doing in this history. Et la, the same thing. The same thing. La même chose est produite dans l'autre histoire. So it's not that the Holy Spirit isn't already there. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est déjà n'était pas là. It's just a new manifestation. Il s'agit donc d'une nouvelle manifestation. So that's what the story is. Et c'est ce sur quoi porte l'histoire. So this concept of overlapping. Donc ce concept de chevauchement. Is that we have two different stories. C'est que nous avons deux histoires différentes. We could say story or. On peut dire histoire ou bien. Or what? Ou bien quoi? Or line. Ou bien ligne. Two different stories or two different lines. On a deux histoires différentes ou deux lignes différentes. Depending upon the line that you're looking at. Et tout dépend de la ligne que vous regardez. The story that you're looking at. L'histoire que vous regardez. And in this example. Et dans cette histoire, dans cet exemple. What are the two stories, Sister Julie? Quelles sont donc les deux histoires, Julie? What are the two stories? C'est quoi les deux histoires? So story of Christ and story of the disciple. The story of Christ. L'histoire de Christ. And the second one is not the disciples. Et la deuxième, c'est quoi? C'est pas les disciples. Okay, let me. Apostle. When you say the story of Christ. Quand tu dis l'histoire de Christ. I read that to mean. Je lis comme cela signifiant. The 70th week of the book of Daniel, chapter 9. La septième semaine du livre de Daniel 9. Or we would call. The reform line of Christ. Où nous dirons donc la ligne de réforme de Christ. So that's story number one. Et ça, c'est l'histoire numéro un. The end of ancient Israel, if you like. Si tu préfères la fin de l'histoire d'Israël ancien. That's what the story of Christ would mean. Et c'est ce que signifierait l'histoire de Christ. So what's the second story? Donc, quelle est donc la deuxième histoire? Pentecost? No. She doesn't know. Put your hand up, so anyone. Si quelqu'un sait, levez la main. My sister. Dorian. Yes. Our history. Okay, who is us? C'est qui nous? Because we could be many different things. Parce qu'on peut être plusieurs choses différentes. God's people. Okay, in the story of Christ, it's God's people. L'histoire de Christ, c'est le peuple de Dieu. And we're God's people. Nous sommes le peuple de Dieu. So the description needs to be a bit more specific. Alors la description doit être plus précise. So let's walk through this together. Donc travaillons avec cela ensemble. The first one. La première. Which I said was Daniel 9. Que je dis qu'il s'agissait de Daniel 9. Christ's line. La ligne de Christ. How long is that line? Combien de temps dure cette ligne? How many years? Combien d'années? Seven. 7 years. 7 années. So the other line that we're dealing with on that board work. Donc l'autre ligne que nous avec laquelle nous traitons sur ce tableau. How long is that line? Combien de temps dure cette ligne? T'as dit pardon? 6000? 6,000 years. Okay, so we're starting here. Nous avons commencé là. And we're going to here. Et nous allons à la fin. So it's not 6,000. Donc ce n'est pas 6,000. Because 6,000 would begin around here. Parce que 6,000 commencerait vers là. 2,000 years. C'est 2,000 ans. Okay, so the 7 years. Donc la septième année. The end of ancient Israel. La fin d'Israël ancien. Is the story of Christ. C'est l'histoire de Christ. 3.5 years of Christ, 3.5 years of his disciples. 3 ans et demi de Christ et 3 ans et demi des disciples. The other story. L'autre l'histoire. Is about whom. Ça porte sur qui. It's a story that has to last 2,000 years. C'est une histoire là qui doit durer 2,000 ans. So I want to just a singular word or a small phrase that would describe. What history that would be. J'aimerais un seul mot pour décrire ce que serait cette histoire. So have another go. Essaye de nouveau. Dorian. She doesn't want to make mistakes. Okay, that's fine. Sister Isaline. Isaline. Looking for a nice name, nice title. Un beau nom.
Sorry? L'église chrétienne. So we'll go with that one. That's a nice one. The Christian church. Donc c'est une bonne, un bon exemple. L'église chrétienne. Christianity. La chrétienté. Which is a new form of religion. Qui est donc une nouvelle forme de la religion. Begins in the time period of Christ. Commence à l'époque de Christ. We're not marking exactly where. On n'indique pas où exactement. And the Christian church goes all the way to the end. Et l'église chrétienne va jusqu'à la fin. So we'll say the line of Christ. Nous disons donc la ligne de Christ. 7 years. 7 années. And the line of the Christian church. Puis la ligne de l'église chrétienne. 2000 years. 2000 ans. We could have called it the spiritual church. Nous, on aurait pu l'appeler l'église spirituelle. Or spiritual Israel. Ou bien l'Israël spirituel. If that was spiritual Israel. Si ça c'était l'Israël spirituel. What would come before it? Alors qu'est-ce qui vient avant? Natural Israel. Israël naturel. Now you've not heard a term called natural Israel. Mais vous avez pas entendu un terme disant Israël naturel. What do we call it? Comment l'appelons-nous? Israël, ancien Israël. We call it ancient Israel. On l'appelle l'Israël, l'ancien Israël, l'Israël. But you can see ancient and spiritual don't actually match. Et vous voyez donc ancien et spirituel ça ne matche pas ensemble. So if we want to use ancient Israel, we'd have to use a different term. Donc si on veut utiliser l'Israël ancien, nous faut utiliser un terme différent. Let's juxtapose ancient. Alors juxtaposons ancien. So I'm assuming you all know what juxtaposition is. Et je suis sûr, je pense que vous savez tout ce que ça veut dire juxtaposer. Think opposite. Donc on pense à l'opposé. Hot, cold. Chaud, froid. Tall, short. Grand, petit. So they're opposites. That's what juxtaposition is. Ils sont opposés, c'est ce que signifie la juxtaposition. The opposite of ancient. Et l'opposé d'ancien. Is. C'est. Young. C'est, jeune ou or modern. Ou moderne. So we'll go with modern. Donc on prend moderne. Ancient Israel, modern Israel. Donc Israël, l'Israël ancien, moderne Israël. We're okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? So if we called it spiritual Israel, si nous l'appelons l'Israël spirituel, we'd call it natural Israel. On va l'appeler l'Israël naturel. Or we might call it literal Israel. Ou on pourrait l'appeler l'Israël littéral. Everybody okay with those Est-ce concepts? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce concept? Yeah, sister. Et ça c'est le terme juxtaposition. This is the term juxtaposition. So this is juxtapositioning. Voici la juxtaposition. You have a concept. Tu as un concept. And then you're going to compare that to something else. Et tu vas comparer ce concept avec quelque chose d'autre. Because otherwise, this is just God's people. Parce que sinon, il s'agit juste du peuple de Dieu. If we want to call it the Christian church. Et si tu veux l'appeler l'église chrétienne? We have to compare that to something else. Il nous faut comparer cela avec quelque chose d'autre. So, I don't know if we're going to say Christian what we'd call it before. Et je sais pas si on va appeler chrétien ce qu'on a appelé avant. We'd have to have an opposite of Christ. Il nous faut avoir un opposé de Christ. Depending on what we're going to explain Christ to be. Et tout dépend de la façon dont on va décrire Christ. So if that was the Christian church, the other one might be the prophet's church. Donc or something si, like that. Si là il s'agit de l'église chrétienne, donc de l'autre côté ça devrait être l'église du prophète, quelque chose de ce genre. So juxtaposition is taking opposing points. La juxtaposition prend des points qui sont opposés l'un l'autre. While understanding that they're the same thing. Alors qu'on comprend qu'il s'agit de la même chose en même temps. Two bowls of water, one is hot and one is cold. Deux bols d'eau, un bol est chaud, un bol est froid. There has to be some connection between the two things. Il doit y avoir une connexion entre les deux choses. They don't always have to both be water. Les deux bols n'ont pas besoin d'être de l'eau. So, in this example, the one that she gave to us, dans cet exemple qu'elle nous a donné, we have one group of people, nous avons un groupe de personnes, the disciples, les disciples. They have an experience, ils ont une expérience, the Holy Spirit, le Saint-Esprit. In one story, dans une histoire, it's the end of the work of the Holy Spirit, c'est la fin de l'œuvre du Saint-Esprit, latter rain, la pluie de l'arrière-saison.
In another story, dans une autre histoire, the exact same experience, la même expérience, is not the end of the work of the Holy Spirit, it's the beginning of its work. Ce n'est pas la fin de l'œuvre du Saint-Esprit, mais son commencement. Which should be the former rain. Qui devrait être donc la pluie de la première pluie, pardon. So the disciples, les disciples, act as this bridging point between two dispensations. Agissent dans ce point-là qui est comme un pont entre deux dispensations. But they don't just touch, they overlap. Mais ces deux points ne se touchent pas seulement, ils se superposent. And if you think about it, it would have to be that way. Et si vous réfléchissez à cela, ça doit être de cette façon-là. Because otherwise, parce que sinon, they would have had to have Pentecost. Ils auraient dû aller à la Pentecôte. And if we just, which would be this history, ça aurait été donc cette histoire-là. And that would be one outpouring. Et là, ça aurait été une effusion. And if they didn't overlap, et si elle ne se chevauchait pas, if it was here, si c'était juste après, we'd say, okay, they had the latter rain. Now they're going to have the former rain. On va dire, okay, donc ils ont eu donc la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, ils auront la première pluie. What would have had to be in this story? Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir dans cette histoire? Another. Une autre. Outpouring of the Holy Spirit. Une autre effusion du Saint-Esprit. So it would be a completely new story. Ça aurait été vraiment une histoire totalement différente. So when you think about it, et lorsque nous réfléchissons à ça, what seems counterintuitive, ce qui semble être contre-intuitif, actually makes more sense. En fait, ça a plus de sens. It makes more sense to do this overlapping. Et ça a plus de sens de faire ce chevauchement. Because it's necessary. Parce que c'est nécessaire. When you think that you live in the real world. Quand nous pensons qu'on vit dans le monde réel. There's only one outpouring of the Spirit. Il y a qu'une seule effusion du Saint-Esprit. Otherwise, we'd have to have two. Parce que sinon, on aurait dû en avoir deux. There's only one. Il n'y en a qu'une seule. And therefore, depending on your reference point, it serves two purposes. Et par conséquent, en fonction de votre référence, ça sert deux buts. So is everybody reasonably comfortable with that now? Et est-ce que maintenant les gens sont confortables avec cela? Yeah. Three points. Trois points. Progression, line upon line, ligne sur ligne, and I'm calling it overlapping. Et je l'appelle la superposition. So hopefully you can understand how each of them interrelate. Et j'espère que vous comprenez comment ils sont en lien l'un l'autre. And each of them has to be understood in their own little unique and distinct way. Et en même temps, ils sont en lien l'un l'autre, mais ils doivent être compris de leur point unique aussi. There's not always an overlapping. Mais il n'y a pas toujours un chevauchement. When you look at a story, you might not want to look at line upon line. Et quand vous regardez une histoire, peut-être que vous ne voulez pas la regarder ligne sur ligne. We have to become quite sophisticated in our thinking. Et il nous faut être assez sophistiqué dans notre réflexion. And it's not easy to do. Et ce n'est pas facile à faire. Sister Manuela. Manuela. Dans une ligne de progression, on ne peut pas toujours faire pour chaque balise un chevauchement. So I think you just reply because in a line of progression, we cannot take each remark and overlapping it. No, sometimes a story will overlap and sometimes they will not overlap. Et parfois une histoire va se superposer, parfois elle ne va pas se superposer. So in if you take this line here, si tu prends cette ligne là, the point, the dot, le point là, is Pentecost. C'est la Pentecôte. So we're not taking Pentecost and another waymark and overlapping them. On ne prend pas la Pentecôte et une autre balise, on les superpose. What we're doing is, ce que nous faisons, c'est, as you've, so I'm agreeing with what you've just said. Je suis en accord avec ce que tu as dit à l'instant. We have a line. Nous avons une ligne. And we have a beginning. Nous avons un commencement. And an end. Et la fin. And we're going to have three waymarks here. Et on va avoir trois balises là. We'll call that. I'll just put the dot here. Je mets juste le point là. So in one story. Dans une histoire. It would be this. It's this one.
Ça sera ça, c'est celle-ci. And now I want to look at this whole line. Et là, maintenant, je vais regarder à toute cette ligne. After I've cut this history out of it. Et j'ai retranché cette histoire de, d'elle. I want to come back to my whole story. Et je veux revenir à mon ancienne histoire. And I want to look at it in a completely different way. Et je veux la y regarder d'une façon tout à fait différente. So now I want to look at it this way. Maintenant, je veux la regarder de cette façon. So I've got one story and another story. J'ai une histoire et j'ai une autre histoire. And what I've done is I've overlapped them. Et ce que j'ai fait, je les ai superposés. Could have done another story. J'aurais pu faire une autre histoire. If I had more waymarks. Si j'avais plus de balises. Where they would not have overlapped. Où elles ne se chevaucheraient pas. So depending on how you cut up a story. Tout dépend là où tu coupes une histoire. Depends on whether you have an overlap or not. Tout dépend si tu as une superposition ou pas. So it's an important observation. We do not always have this overlap. C'est une observation importante, nous n'avons pas toujours cette superposition. It depends upon you. Tout dépend de vous. How your study is being directed. Comment votre étude est dirigée. The point that you want to make, whether there's an overlap or not. Le point que vous voulez faire, s'il y a un chevauchement ou pas. And I want to remind us. J'aimerais vous nous rappeler. This is not my story. Ce n'est pas mon histoire. It's not one that I made up. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. It's one that's given to us. C'est une histoire qui nous a été donnée. And if Ellen White gives us this story. Et si Ellen White nous a donné cette histoire. Then she's telling us that we have the license. Donc elle nous dit que nous avons l'autorisation. That she has the license. Qu'elle a aussi la licence. To do that. L'autorisation de le faire. Which means there must be some rules or principles. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des règles et des principes. And I've just tried to explain pragmatically what that rule or principle would be. Et j'essaye d'expliquer d'une façon pragmatique quels seraient ces principes et ces règles. Real life. Dans la vie réelle. You have one experience. Vous avez une expérience. And we're going to take that real life experience. Et nous allons prendre cette expérience réelle. And look at it from this perspective. Et nous allons la regarder de cet angle de vue. And the experience means latter rain. Et cette expérience-là, ça veut dire la pluie de l'arrière-saison. And then we're going to look at the same experience from this perspective. Et après, on va prendre la même expérience, mais on va la regarder d'un autre angle de vue. And it means former rain. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire la première pluie. I think that's a reasonable explanation of what is being given to us. Et je pense que c'est une explication raisonnable de ce qui vient de nous être donné. She didn't write a paper on this. Elle n'a pas écrit un article dessus. What we're doing is observing how she is taking these stories, these histories, and when I say manipulating, I don't mean distorting, but how she's manipulating these stories. Ce que nous faisons là, nous regardons comment elle a écrit ces histoires et comment elle les utilise. Elle les manipule. Je dis pas manipuler dans le sens de tordre. Of course, if she does it. Bien sûr, si elle l'a fait. Not only are we allowed to do it, but we are supposed to be doing it. Si Ellen White l'a fait, ça veut dire que nous sommes supposés le faire et nous sommes autorisés à le faire. Sister Pascal. Pascal. Est-ce que je peux reposer la question que je lui ai posée hier parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris? Can she ask you the same questions that she asked you yesterday? She's not sure that she understood well. Sure. Bien sûr. Dans l'histoire. Par rapport à la première pluie et la pluie de l'arrière saison, on voit que du baptême jusqu'à la Pentecôte, c'est la première pluie, et qu'ensuite, de la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, c'est la pluie de l'arrière saison. C'est le début de ta phrase, oui. C'est l'introduction de ma question. Tu peux reprendre, s'il te plaît, et faire plus short. Sur une de ces lignes. So, on one of your lines. Du baptême. À la Pentecôte, c'est la première pluie. Baptism up to Pentecost, it's a former rain. Et ensuite, c'est la pluie de l'arrière saison. Then, the latter rain. Dans Jean, verset 20. In John, Jean. Dans Jean 20. 20, pardon. John 20. Dans Jean 20, on voit que Jésus souffle sur les disciples. Jesus breathed upon the disciples. Et communément, on dit que ça, c'est la première pluie. And we said that it's a former rain. Et que la pluie de l'arrière saison arrive à la Pentecôte. And the latter rain arrived at Pentecost. Comment on concilie les deux? How we deal with both? Juste réexpliquer. Does everybody understand the question?
Est-ce qu'on a compris la question? Comment on concilie les deux, de baptême à Pentecôte, première pluie, après pluie de l'arrière-saison, et dans Jean 20, quand Jésus souffle sur les disciples, c'est la première pluie. Comment on concilie ces deux histoires? Does everybody understand it now? Yeah? So, this is an interesting observation for me. C'est une observation intéressante pour moi. We have some pre-existing knowledge. Nous avons des connaissances qu'on a depuis longtemps. John chapter 20. Jean 20. Sunday. Par Sunday, dimanche. Christ is resurrected. Christ est ressuscité. He breathes upon his disciples the Holy Spirit. Il souffle sur ses disciples le Saint-Esprit. Alan White says it was like a few drops before the plentiful rain. Ellen White le décrit comme étant quelques gouttes avant cette abondance de pluie. And because we've been educated to think. Et parce que nous avons été éduqués, formés à penser. Along this storyline. Par rapport à cette ligne, cette histoire. In the relationship of former and latter rain. Et sa relation entre la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. If I give another version, another story. Et si je dessine une autre version, une autre histoire. It sounds like I'm undoing or rejecting previous information. Il semble que je rejette ou je renie des informations qu'on avait précédemment. So, if I ask you, Sister Pascal. Alors Pascal, si je te pose la question. The model that I had here. Le modèle que j'ai ici. Do you object to it? Est-ce que tu le rejettes? No? Non. So it all looks fine. Ça semble bon pour toi? So if you're okay with that model. Donc si tu es d'accord avec ce modèle. Which would be number two. Qui serait donc le numéro 2? This one here. Celui-là là. The 7-year line. La ligne de la des sept années. Hein. If you can see that. Si tu peux voir cela. Is this line here number 7? Est-ce que cette ligne là, nombre 7? Is that in disagreement? Est-elle en désaccord? With line number, which I've labeled number 3 here. Avec la ligne que j'ai numérotée 3. This one here. Cette ligne là. The 2000 year line. La ligne des 2000 ans. Are they two contradictory stories? Est-ce que ce sont deux histoires contradictoires? Or complementary? Ou elles se complètent? Two different stories. Are they complementary? Est-ce qu'elles sont elles sont complémentaires? Or are they do they fight against each other? Est-ce qu'elles combattent l'une l'autre? Elles se combattent pas l'une l'autre, elles donnent des elles donnent des informations complémentaires l'une à l'autre. Je sais pas comment. Okay, so complementary. Okay, so what I would suggest. Ce que je vais suggérer. Is that the story that we've taught in the past. L'histoire qu'on a enseignée dans le passé. Where we have former and latter rain. Quand on a la première pluie et plus de l'arrière-saison. Wouldn't be, we wouldn't put baptism here. We will not. We would not. On ne placerait pas le baptême là. Which is this 7-year line. Qui est la ligne de la sept, des sept années. It's actually another story. En fait, il s'agit d'une autre histoire. So it'd be a fourth one. Ça serait une quatrième. So these are not all the stories that we could think of. Et là, ce n'est pas toutes les histoires auxquelles on aurait pu penser. So if we were going to do that. Si on aurait dû faire cela. There'd be a fourth story. Il y aurait eu une quatrième histoire. And what would that event be? Et quel aurait été cet événement? Cross. Yesterday you said cross. Okay, so are they going to receive the Holy Spirit on Friday? Est-ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit le vendredi? C'est moi qui ai posé la question parce que j'ai pas très bien compris. It's her, she said it's her who asked the question because she did not understand well. I know. Je sais. Do they receive the Holy Spirit on Friday? Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le vendredi? Where we would mark the cross. Alors, où est-ce qu'on va marquer la croix? Parce que c'est là qu'on va marquer la croix, le on Friday. Là, je parle. Vendredi. You took us to John 20. Tu nous as emmenés à Jean 20. What day is that? C'est quel jour? Le dimanche. Sunday. So we'd have to go to Sunday. Donc il nous faut commencer à dimanche. Or
resurrection. Ou la résurrection. So we'd have to pick up the resurrection if we were going to do it accurately. Donc il nous faut prendre la résurrection si on veut le faire avec justesse. Not the cross. Et non pas la croix. So I'm saying it would be a fourth story. Et là, à ce moment-là, ça serait une quatrième histoire. So does that answer it? Est-ce que ça répond? So why did I not mention that? Et pourquoi je n'ai pas mentionné cette histoire? I don't know. Anyone else, why did I not mention that story? Quelqu'un d'autre, pourquoi je n'ai pas mentionné cette histoire? Sister Natasha? Natasha? Elle n'a pas les mêmes caractéristiques que l'on peut retrouver dans les deux, dans les autres modèles. It hasn't got the same characteristics that we can find in two of the models. It doesn't? Il y a une pluie, mais on ne retrouve pas avec... We found the rain, but we cannot find... In this pattern, we cannot see the first rain and the latter rain. Can't? Yes. I would ask Sister Pascal to argue with you because her point is that we do. Je peux demander à Pascal de discuter avec toi parce que son point c'est que oui, nous l'avons. She has pretty strong spirit prophecy quotes to show. Et elle a des citations assez fortes pour le montrer. Parce qu'au début, je disais non parce que je voyais pas la fin. So at the beginning, I said no because I cannot see the end. Mais alors, pourquoi dire que finalement cette histoire ne correspond pas? On pourrait pas la mettre. Alors, why you said that this fourth story we cannot add it? No, I said why did I not add it? J'ai dit pourquoi moi je ne l'ai pas. Why did I not mention it? Pourquoi je ne l'ai pas mentionné cette histoire? My answer was. Et ma réponse était. Is because I went to Acts. C'était parce que je suis allée dans Actes. And the verse and the passage that we read didn't have that story in there. Et que le passage que nous avons lu n'intégrait pas cette histoire. It's not that I'm not aware of the story. C'est pas que je ne sois pas conscient de l'histoire. Or I was hiding it. Ou que je la cachais. Or I don't believe in it. Ou que je n'y croyais pas. It's just that that story didn't come up. C'est que cette histoire n'est pas revenue. So all I'm doing. Donc tout ce que je suis en train de faire. Is doing what I think is reasonable. C'est faire ce que je pense être raisonnable. You read a spirit prophecy quote. Vous lisez une citation de l'esprit de prophétie. And we just try to work with that. Et on essaye de travailler avec ce passage. And I wasn't trying to bring in my existing understanding on these things. Et je n'essayais pas d'introduire ma compréhension existante que je sais dans ce passage. It's very interesting in our movement. C'est très intéressant dans notre mouvement. When we introduce new stories. Quand nous introduisons de nouvelles histoires. Not new light. Non pas de nouvelles lumières. People become nervous. They say, "Well, what about all the old stuff? How does that fit in?" Et les personnes deviennent nerveuses en disant, "Mais qu'en est-il des anciennes choses? Comment ça s'adapte?" And I'm not saying Sister Pascal was doing this, but we can tend to think. Je dis pas que Pascal faisait cela, mais on peut penser. If we can't explain the old. Si on ne peut pas expliquer l'ancien, there must be a problem with the new thoughts. C'est qu'il doit y avoir un problème avec la nouvelle pensée. Because it seems to contradict. Parce qu'elle semble être en contradiction l'une l'autre. That I'm putting former rain here. Que je place là la première pluie. And our current understanding would put the former rain here. Et que notre compréhension actuelle placerait la première pluie le dimanche là après le dimanche. But if you see the principle, you can see that it's not contradicting anything. Mais si vous comprenez le principe, vous allez voir que ça ne contredit en rien. In fact, it reinforces everything that we already understand. Au contraire, ça renforce ce que nous comprenions déjà. Okay, let's go to Acts 55. Alors, allons 54 dans... and 55. Let's have a look at this harvest issue. On va regarder à cette moisson. Acte apostolique, you mean? Acte des apôtres, yeah. Alors, conquérant pacifique. Hein. As you're turning there. 54. Just want to remind us.
Alors, on est au chapitre 5 de la Conquérant Pacifique. J'aimerais vous rappeler this idea of overlapping, cette idée donc de superposition. We're now using in our line, nous utilisons maintenant dans notre ligne. But it's not in the exact same way. It's a more sophisticated approach. Ce n'est pas de la même façon, c'est dans une approche beaucoup plus sophistiquée. You remember yesterday afternoon? Rappelez-vous hier après-midi? Yesterday afternoon, I think. I challenged Sister Chimène. J'ai challengé Chimène. Why a few years ago? La raison pour laquelle quelques années auparavant. She was teaching error. Elle enseignait des erreurs. I used her as an example. Et c'était un exemple. Because she just copied other people who were teaching error. Elle copiait juste les personnes qui enseignaient les erreurs. And the error et l'erreur was based upon two Bible quotes. Était basée sur deux versets bibliques. What are the two Bible quotes? Et quels étaient donc ces deux versets bibliques? Sister Michelle, one. Michelle, tu peux m'en donner un? Les deux versets bibliques qu'on n'a pas utilisé, qu'on a mal compris, parce qu'on a placé la pluie de l'arrière-saison à la moisson. Et il y avait deux versets bibliques qui disaient que ce n'était pas possible. Quels sont-ils? No, don't do that. Don't do that. Brother Anthony. Anthony. Just give us one. La question, c'est quels versets qui ont été utilisés, en fait, qui a mené à une erreur de compréhension? You don't understand the question? No. Yeah. He asks which verse that had been used to reach the wrong conclusion. No, the verse. No. You give us one verse, my sister. Idem. Proverbs 26:11. Proverbs 26:11, Brother Carl. Verse 1, 26:1. Elle a dit 11. Elle a dit 1. J'ai entendu 11. T'as dit 11 ou 1, Itamar? Ah, sorry. Elle a dit 1. 26:1, Brother Carl, the other one. 1 Samuel 20:17, c'est ça? J'entends rien. Ben, parlez plus fort, les amis, excusez-moi. Oui, ok, 1 Samuel 12:17. 1 Samuel 12:17. Both of those stories. Les deux. It's not on the board. Ouais, okay. Both stories. Ces deux histoires. Tell you that it's wrong to have rain in harvest. Nous disent que c'est mauvaise chose d'avoir de la pluie durant la moisson. Only foolish people would believe that. Only seulement les folles vont croire en cela. Only disobedient people would experience that. Et seulement les personnes désobéissantes vont expérimenter cela. And we were praising God. Et nous louions Dieu. In the movement. Dans le mouvement. Saying, we can't wait for the latter rain to come. On peut pas attendre que la pluie de l'arrière saison arrive. During the binding off. Pendant la pluie de l'arrière, le liage des gerbes. Ignoring plain, inspired Bible verses. En ignorant des versets bibliques clairs. So my question is, why do we do that? Ma question c'était pourquoi nous avons fait cela. Why would we make such a gross mistake? Pourquoi nous avons fait une telle erreur? What I want to suggest. Ce que j'aimerais suggérer. Besides the that we just did wrong. Hormis le fait que nous l'avons mal fait. Is when we look over that history now. C'est lorsque nous regardons à cette histoire maintenant. I don't mean the history that we did a few years ago. The history here that we're referring to. Donc je fais référence à cette histoire là dont nous regardons là. Between Raphia and Panium. L'histoire entre Raphia et Panium. We could put dates on them. On peut placer des dates. We could reference them in another framework, which would be Asculum and Beneventum. On peut référencer cette histoire comme étant Asculum Beneventum. Is it correct? Est-ce que c'est correct? To say that in the time period of harvest, we could have rain. Est-il correct de dire que dans la période de la moisson, nous pouvons avoir de la pluie? And the answer is. Et la réponse est. Yes. Oui. And we can get the answer yes. Et nous pouvons tirer la réponse oui. Because of this concept. En raison de ce concept. And the problem is. Le problème.
When you looked at the example that Ellen White gave us, quand vous regardez aux exemples donnés par Ellen White, the imagery, l'image, the symbology, l'illustration, le symbolisme, in this one, dans celle-ci, is what? C'est quoi? What's the symbol we have? C'est quoi le symbole que nous avons? Quel est le symbole que nous avons? C'est Natasha. Natasha. Dove. Non, dove. La première. C'est pas not the dove. Dove. Non, non. With this. Des disciples. Des disciples. Le symbole qu'on a dans l'histoire des disciples. One word. Un mot. One word. Un mot. Le feu. Fire. No, no, don't think here. I'm not pointing to here, I'm pointing to here. Je ne pointe pas à là, je pointe à là. It's on the board. C'est sur le tableau. What's the symbol? C'est quoi le symbole? La pluie, la rain. One word. Un mot. Rain. Rain. La pluie. It's rain in this story. Dans cette histoire, c'est la pluie. You okay with that? Vous êtes d'accord? The people are... Les personnes sont... The disciples and rain. Les disciples et la pluie. We go to a totally different story. Maintenant, nous allons dans une histoire totalement différente. This is the story of Christ. C'est l'histoire maintenant de Christ. Now this is the story. Et là, c'est l'histoire de. Of the Christians. Des chrétiens. It's a totally different story. Et c'est une histoire tout à fait différente. So we had the disciples and rain. Nous avons les disciples et la pluie. In this story. Et dans cette histoire. It's what. C'est quoi? The rain. Rain. Et Christian. Christian. It's on the board. C'est dans disciple. Disciples. Et les disciples. So it's disciples and rain. Disciples and rain. They're the same. Si les disciples et si là, on a les disciples et la pluie, les disciples et la pluie, c'est la même chose. Easy to see. Il est facile à voir. When you can observe it. Quand vous pouvez l'observer. Now we come to this one here. Maintenant on arrive à celle-ci là. So now it becomes difficult straight away. Maintenant directement c'est difficile, ça devient so difficile. We're assuming. Nous présumons. We've got two overlapping histories. Nous affirmons qu'il y a deux histoires qui se chevauchent. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord? So we'll do our two overlapping histories. On va faire deux histoires qui se chevauchent. That's one. C'en est une. What is this symbol? Ce symbole, c'est quoi? Someone put their hand up. Quelqu'un lève le doigt. Sister Isaline. Omega? No. This one was rain. Celle-ci, c'est la pluie. This one is... Put your donc hand up. Celle-ci, c'est... Brother George. George. I know you didn't have your hand up. Je sais que t'avais pas levé. Sister Corinne. Corinne. Moisson, harvest. Harvest. So it's the harvest in this line. Dans cette ligne là, c'est la moisson. Now we've got another overlapping line. Maintenant, on a une autre ligne qui se superpose. What's the symbol in that line? Et dans quel est donc le symbole dans cette ligne? Sister Tracy. Tracy, harvest, rain. So I put latter rain, but it's rain. J'ai mis plus de l'arrière-saison, mais c'est la pluie. So you can see. Donc vous pouvez voir. It has the same feel to it. Ça a le même chant. But there's a subtle difference now. Mais il y a une différence subtile. The difference is. La différence c'est. That the symbols are not the same. Les symboles ne sont plus les mêmes. That's why it's not easy to see. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas facile à voir. We've got harvest and rain. Nous avons la moisson et la pluie. And here we just had rain and rain. Et là nous avons juste la pluie et la pluie. So can you see how much harder it is to conceptualize it here? Et vous voyez comment il est plus difficile dans cette histoire de le conceptualiser. So we've gone from a spirit of prophecy quote. Nous sommes partis d'une citation de l'esprit de prophétie. To a history. À une histoire. That's really clear to see. Qui est très clair à voir. The story of the outpouring of the Holy Spirit. L'histoire de l'effusion du Saint-Esprit. Was the latter rain in one story and the former rain in another. C'était la pluie de l'arrière-saison dans une histoire et aussi la... Sorry, the latter rain in a history and the... Former rain in one.
Ok, la, merci. La première pluie dans une histoire et la pluie de l'arrière-saison dans une autre. Now we've come to the same modeling. So maintenant on arrive dans le même modèle. I've obviously cut some corners. J'ai coupé là des coins. Because I've assumed. Parce que je pense. When we did this. Que lorsque nous avons fait cela. And I said, how could we make such a silly mistake? Et j'ai dit, ah, comment on a pu faire une telle erreur? I'm suggesting. Je suggère. That there was light. Qu'il y avait de la vérité et de la lumière. So even though we explained it incorrectly. Et même si on l'a exploré ou expliqué incorrectement. There was truth in what we were observing. Il y avait des vérités dans ce que nous observions. That indeed. En effet. There is rain. Il y a de la pluie. At the time of harvest. À l'époque de la moisson. But. Mais. It's not. It's not what? What is it not? Ce n'est pas quoi? T'as dit la même histoire? The same history. It's not the same history. Good. Ce n'est pas la même histoire. It's not the same story. Ce n'est pas la même histoire. It's not the line of progression. Ce n'est pas la ligne de la progression. We have to now employ the third technique. Il nous faut utiliser maintenant une troisième technique. Which is line upon line and overlapping. Qui est ligne sur ligne et la superposition. Are we all okay with that? Est-ce que nous sommes tous d'accord avec ça? How we're now looking at our line. Comment maintenant nous regardons à notre ligne? The complexity is. La complexité c'est. It's not the same symbol. Ce n'est pas le même symbole. So. Donc. How do you get? Comment obtenons-nous? A sickle. Une fossile. To be the same. Comme étant la même chose as rain. Que la pluie. They're totally different. Parce qu'ils sont tout à fait différents. So what we now have to do. Donc ce que nous devons faire maintenant. Is try to conceptualize. C'est essayer de conceptualiser. What a sickle is. Ce qu'est une fossile. So it becomes much more. Subtle, much more difficult. Ça devient beaucoup plus difficile et subtil. Than our simple example. Que notre simple exemple. Now you are all at school. Vous êtes tous à l'école. You know when you're being taught a class of in mathematics. Et vous savez quand on vous appelle à une classe de mathématiques. Your teacher. Votre enseignant. They run through. Examples. Donc ils prennent plusieurs exemples. And they always look what? Et les exemples, ils semblent toujours hein, quoi? Simple. Facile. Easy. Facile. They always look easy when the teacher does it. C'est toujours simple quand le prof le fait. Then you sit down and you open your textbook and you try to answer the questions. Mais quand vous vous asseyez, vous ouvrez votre cahier et que vous essayez de répondre aux questions. And if you've got a good textbook. Et si vous avez bon un bon cahier. What will it do? Qu'est-ce qu'il va faire? It will. Be gradually taking you from easy to difficult questions. Il va donc vous emmener vers des questions faciles et vers les questions les plus difficiles. So by the end of your year, donc à la fin de votre année, you have some confidence. Vous avez une certaine confiance. That you can do those mathematical problems. Que vous pouvez faire par vous-même ces problèmes mathématiques. And what's the problem on examination day? Et après, qu'est-ce qui se passe le jour de l'examen? Le problème, c'est quoi? When you open the paper. Quand vous ouvrez donc votre feuille. The question. La question. Doesn't look like anything you were ever taught before. Ne ressemble à rien de ce qui vous a été enseigné précédemment. Yeah, it all looks different. Ça, c'est tout est différent. So what the teachers did? Donc ce que l'enseignant a fait. They're clever. Parce qu'ils sont intelligents. They said what we'll do is. Ce que nous ferons c'est. We'll play a game of chase. On chasing. Va jouer un jeu d'échecs. So part of the revision. Donc une partie de la révision. Is that we'll look at past examination questions. Nous regardons aux questions des examens précédents. To give you a feel. Afin de vous donner un champ. Because when I was small, we never did that. Parce que quand on était petit, on n'a jamais fait cela. Revision. La révision. Was just going over the work you've done before. C'est juste revoir l'œuvre que vous avez fait avant. We never did old examination papers. Nous n'avons jamais fait des anciens
Examen, thank you. Because that's what we all do now. Parce que c'est ce que nous faisons tous maintenant là. Problem is. Le problème c'est the que. The people who write the exam papers. Les personnes qui ont écrit l'examen. They're clever as well. Ils sont aussi intelligents. They're always one step ahead. Ils sont toujours une étape en avant. So they're always coming up with new types of questions to make it harder. Parce qu'ils viennent toujours avec des nouvelles types de questions pour le rendre plus difficile. So that's what's going on here. Et c'est ce qui se passe là ici. We're in an exam time. Nous sommes à l'époque donc de l'examen. We're being tested. Nous sommes testés en ce moment. On how we use these methods. Sur la façon dont nous utilisons cette méthode. And it looks totally different. Et ça a l'air vraiment tout à fait différent. So I'm saying. Donc je suis en train de vous dire. First of all, we have to say it's the same thing. Premièrement, il nous faut dire que c'est la même chose. If this was an addition question. Si ça c'était une question additionnelle. So is this. Donc là aussi. Even though it doesn't look it. Et même si ça ne le ressent, ça ressemble à pas. So now everyone in this class is comfortable. It's the same problem. Donc maintenant à l'école tout le monde est à l'aise. Il s'agit du même problème. So now we have to see. Donc maintenant il nous faut voir. How we get a sickle. Comment on prend une faucille. To equal rain. Pour que cette faucille équivaut à la pluie. So that's our task. Et c'est ça notre devoir. Once we can do that, une fois qu'on peut faire cela, then we can get to the place. Alors on peut arriver au point. That we'll have the same symbol. Où qu'on a le même symbole. What's the symbol? C'est quoi le symbole? Rain. So we have to get this to be the same symbol. Il faut que ces deux-là soient le même symbole. We'll do it really easily. On le fait de façon très simple. I'm going to change a sickle. Je vais changer la faucille. And I'm going to say sickle. Et je vais dire faucille. And then if anybody has a thought. Est-ce que quelqu'un a une pensée? Because it has to be the same thing. Parce que ça doit être la même chose. So, I'm... Quoi? T'as dit quoi? Rain? No, sickle is not rain. Non, la faucille, c'est pas la pluie. Vas-y, Mylène. Moisson? Rain is doesn't equal harvest. La moisson, c'est pas field, she said. Let me give you what I think. Donc, je vais vous dire ce que je pense, à quoi je pense. It's a message. Et c'est un message. And what is rain? Et la pluie, c'est quoi? We already know what rain is. On sait déjà ce qu'est la pluie. It's a message. C'est un message. So, we can now get to a place where we can see both of these are the same thing. Donc, ok, maintenant on arrive à un point où on peut voir que ces deux symboles c'est la même chose. Okay, so this is how we answer the question. Et c'est de cette façon-là que nous répondons à la question. It's not something we had to do before. Ce n'est pas quelque chose que nous faisions avant. So again, it looks easy when I just say that. Ok, ça semble super simple quand je vous montre cela. We'd have to explain that. We would have to explain. On aurait dû expliquer ça. How a sickle turns into a message. De quelle façon qu'une faucille devient un message. So that takes a bit of thinking about. Et là, ça demande une réflexion. So I appreciate a lot of us in the room wouldn't know how you do that. Et je comprends qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ne savent pas comment on aboutit à ça. But if you give me the license just to say that we can do that. Mais donnez-moi juste l'autorisation pour dire qu'on peut le faire. Okay, so then. Ensuite. We have the problem that it's two different groups. Et nous avons un problème parce qu'il s'agit de deux groupes différents. So again. De nouveau là. This is the. We'll call this the priests. On va appeler ça les prêtres. This one is a bit difficult. Celui-ci c'est un peu difficile. Because it's the latter rain. Parce que c'est la pluie de l'arrière-saison. We know it's not the first portion of their experience. Et nous savons qu'il ne s'agit pas de la première portion de leur expérience. They've had to have ones before. Il doit y en avoir une avant, une partie. But we already covered this. On a déjà vu cela. Because we said it was the Levites. Parce qu'on a déjà dit qu'il s'agissait des Lévites. So the priests and the Levites. Donc les prêtres et les Lévites. Are they the same group of people? Est-ce le même groupe de personnes? No. Non. So we need to turn them into the same group. Donc il faut qu'on les change pour qu'ils deviennent le même groupe. Priests are whom? Les prêtres c'est qui? Disciples. Okay, we can put the disciples. On peut mettre les disciples. So I'm just going to call them what Brother Vadim said, Seventh-day Adventists. Donc je vais les appeler les Adventistes, ce que Vadim a dit. And what are Levites? Et les Lévites.
The same. Seventh-day Adventists. Les Adventistes aussi. So it's much more subtle. Donc c'est beaucoup plus subtil. Different symbols, different people. Des symboles différents, des personnes différentes. So we've made it the same symbol the message. On les tourne, on les change en une même chose, un message. Same people. Les mêmes gens. So can we see how we can see this is exactly the same? Est-ce que vous pouvez voir comment on peut voir que c'est exactement la même chose? But when we're doing it now, mais quand on le fait maintenant, it's much more subtle. C'est beaucoup plus subtil la façon dont on le fait maintenant. This one, celui-ci, were they literally the same 12? Est-ce qu'ils sont vraiment littéralement les mêmes 12? Non. Yeah, this was John. C'est Jean. And this was John. Et là, c'est Jean. They're literally the same. 12 or 120 people, they're literally the same people. Ce sont les mêmes 12 ou les 120 personnes. This one. Mais là, dans cet exemple. Are they literally the same people? Est-ce qu'ils sont littéralement les mêmes personnes? No. So we've gone from. Donc on est parti là du. Literal. Littéral. To. Vers le spirituel. Spiritual. Vers le spirituel. Okay. So we've had three rules already, or three concepts. Donc nous avons trois règles, trois concepts déjà. Progression. Progression, line upon line, ligne sur ligne, and et superposition. Overlapping, good. Et superposition. So now there's a fourth one. Maintenant, il y en a un quatrième. When you go from quand on part du natural to pour le spirituel. Fourth one. Pour le it does not look the same. Ça, le quatrième, donc, c'est qu'il ne ressemble pas. So, people get worried. Les personnes sont inquiets. Because what have we taught? Parce que ce que nous avons enseigné. Line upon line. Ligne sur ligne. Everything looks. Chaque chose semble. The same. La même chose. With that's been the hallmark of our movement. Et ça a été vraiment l'étiquette de notre mouvement. Everything looks the same. Tout est pareil. 1798. 1798. 1989. Time of the end. Temps de la fin. You line them up. Vous les superposez. Increase of knowledge, formalization, empowerment. Augmentation de la connaissance, formalisation, amplification. It's all the same. Tout est pareil. The whole point of line upon line. Le point de ligne sur ligne. Is that they're the same. C'est que c'est la même chose. The fourth point. Mais le quatrième point. When you go from natural to spiritual. Quand on passe du naturel au spirituel. What we say? Qu'est-ce que nous disons? It's not the same. Ce n'est pas la même chose. It has similar characteristics, but it's not the same. Ils ont des caractéristiques similaires, mais ce n'est pas la même chose. And we struggle with that. Et nous luttons avec ça. You would not believe how many people. Ne croyez pas, vous ne croirez pas le nombre de personnes. Even when you tell them. Même que lorsque vous leur dites. You show them examples. It's not the same. Vous leur montrez des exemples que ce n'est pas la même chose. They're trying to take our history. Ils essayent de prendre notre histoire. Stretch it, compress it, twist it. Ils essayent de l'étendre, la comprimer, la tordre. To one end. En une seule fin. What's that end? Quelle est donc cette fin? To make it look the same. Pour qu'elle ressemble à l'autre. Because we've been indoctrinated. Parce qu'on a été endoctriné. It has to be the same. Ça doit être la même chose. And I want us to see that it's not the same. Et j'aimerais que nous puissions voir qu'il ne s'agit pas de la même chose. Priests are not Levites. Les prêtres ne sont pas les Lévites. You can make them the same. Vous pouvez faire en sorte qu'ils soient so you can get the same pattern. Afin d'avoir le même schéma. But it's different. Mais c'est différent. And that's an important concept for us to now incorporate in our studies. Et c'est un concept important qu'il nous faut maintenant intégrer dans notre histoire. Sister Julie. Dans nos études. Julie. Mais s'ils ne sont pas les mêmes, pourquoi on essaye de faire qu'ils soient pareils? So if it's not the same, why we try to make them the same? Do you tell me? Toi, toi, je sais dire. Pas, ça sert à quoi si prêtres, c'est des. Enfin, je vois pas pourquoi on essaie de faire que ça soit pareil alors qu'ils sont différents. I don't understand why to make them the same is they are different. She doesn't understand the meaning of that. If we didn't. Okay, so let me ask you a question. Donc, I will have to say in French. Donc, elle comprend pas pourquoi on essaie de les rendre identiques si c'est pas la même chose.
c'est quoi le point, quoi. OK. God is in a difficult position. Dieu est dans une position difficile. He wants us to be ready. Il veut que nous soyons prêts. For something that's about to happen. Sur quelque chose qui est sur le point de se passer. How do you get ready for something that's about to happen? Comment être prêt sur quelque chose qui est sur le point de se passer? Pardon, to prepare? You have to prepare. Okay. How do you prepare? Donc comment tu te prépares? So I'm going to say we're going for a walk tomorrow. Si je dis on va marcher demain. How do you prepare? Comment vous vous préparez? Looks weather. You need to have information today. Il vous faut avoir des informations aujourd'hui. About what's going to happen tomorrow. Sur ce qui va se passer demain. We call that. Nous appelons cela. Prophecy. Prophétie. We need to prophesy. Il nous faut prophétiser. What the weather will be. Quel serait donc le temps. Otherwise. Sinon. We won't be ready. Nous ne serions pas prêts. We'll go out in the wrong shoes. Nous allons partir avec les mauvaises chaussures. So that's what God needs to do. He needs to tell us. Donc c'est ce que Dieu doit faire. Il doit nous dire. We agree with that. Nous sommes d'accord avec ça. Everyone believes that. Everyone can conceptualize that. Tout le monde peut conceptualiser cela. The problem is. Le problème c'est que. You have different news channels. Vous avez différentes circuits d'information. You have CNN and Fox. Nous avons CNN et Fox. And each of them. Et chacun d'eux. Are giving you different information. Vous donne des informations différentes. It's going to be sunny. Ça va être ensoleillé. It's going to rain. Et l'autre vous dit qu'il va pleuvoir. Which voice are you going to listen to? Quelle voix allez-vous écouter? You're going to listen to the voice of CNN or Fox. Allez-vous écouter celle de CNN ou de Fox? God wants you to be ready tomorrow. Et Dieu veut que vous soyez prêt demain. So he has to tell you. Donc il doit vous dire. What the weather is going to be. Quel serait le temps? He's not the only voice to hear. Mais il n'est pas la seule voix à entendre. How do you know which is the right voice? Comment savez-vous quelle est la bonne voix? God's voice? La voix de Dieu? Or someone else's voice. Ou la voix de quelqu'un d'autre. So let me give you the name of the other voice. Alors laissez-moi vous donner la voix de l'autre voix. Le nom de l'autre voix, pardon. I think it's Nebo. Je crois que c'est Nebo. Yeah, Nebo. Nebo. Who are you going to listen to, Nebo or Nebo God? Nebo ou Dieu? Which story is this? Quelle histoire est-ce? Which Bible verse are we in? Nous sommes dans quel verset biblique? Hein? Brother Michael. Michael. Isaïe 46. We're in Isaiah 46. Good. On est dans Isaïe 46. You got a choice. On a un choix. Which voice will you listen to? Quelle voix allez-vous écouter? And God. Et Dieu is in a difficult position. Est dans une situation difficile. He needs to make sure you listen to his voice. Il veut s'assurer que vous écoutez sa voix. He's got a secret plan. Il a un plan secret. So his plan is. Son plan c'est. When he tells you what the weather is going to be. Quand il vous dit quel serait le temps. He uses certain rules. Il va utiliser certaines règles. He says. Il dit. The clouds. Les nuages. The rain clouds. Donc les nuages de pluie. Were over here yesterday. Étaient là hier. And we're here today. Et aujourd'hui nous sommes là. And we want to know what the weather's going to be tomorrow. Et on veut savoir quel sera le temps demain. So he says. Donc il dit. Look at the cloud. Regardez aux nuages. Where. Où. When. Quand. Look at the cloud yesterday. Regardez aux nuages d'hier. Because it's going to tell you. Parce que les nuages d'hier vont vous dire. What the weather will be tomorrow. Quel sera le temps demain. Because the cloud's going to move from here all the way across to here. Parce que le nuage il va migrer de là à là. It rained yesterday. Il a plu hier. The clouds are coming. Les nuages arrivent. So what's the prediction? C'est quoi donc la prédiction? It's going to rain tomorrow. Donc, il va pleuvoir demain. Nebo, lui. He doesn't care about yesterday. Que lui importe d'hier. He just says. Il dit. It's going to be sunny tomorrow. Il va dire, oh, demain il va faire beau. Because everything's good. Parce que tout est bon. Who would you listen to? Qui vas-tu écouter? Which weather forecaster would you listen to? Quelle prédiction de temps vas-tu écouter? The one who takes you.
Celle qui te amène. From yesterday to tomorrow. Celle qui t'amène d'hier à demain. Or the one that just gives you information without any reference point. Ou l'autre qui te donne, voit qui te donne des informations sans de point de référence. So it's obvious, the answer. La réponse est évidente. Isaiah 46 teaches you this principle. Ésaïe 46 nous enseigne ce principe. So the reason why we insist. La raison pour laquelle nous insistons. That it's all the same. Que c'est tous la même chose. Is because what we're doing. C'est parce que ce que nous faisons. Is predicting the future. C'est qu'on prédit le futur. Based upon the past. Basé sur le passé. And when you do that, et lorsque nous faisons you cela, see that it's going to be the same. On voit que ça va être la même chose. However, cependant, when we look at or think about the same, quand nous réfléchissons sur ce qui est la même chose, it's not exactly the same. Ce n'est pas exactement la même and chose. That's what we have to be able to incorporate into our thinking now. Et c'est ce qu'il nous faut intégrer dans notre réflexion maintenant. When we said same, quand nous disons la même chose, to the very letter, à la lettre même, or scenes similar, ou les scènes similaires, all of these ideas, toutes ces idées, yes, they're the same. Pardon, yesterday? Yes, they are. Oui, elles sont les mêmes. All the pattern is the same. Tout le schéma est le même. Same group of people. Le même groupe de personnes. Same experience. La même expérience. So I've got it all to look the same. Donc, je fais en sorte que tout semble pareil. Why? Pourquoi? So you can have confidence. Afin que vous puissiez avoir de la confiance. That you're listening to God. Que vous écoutez Dieu. And not. Et non pas. Nebo. Nebo. Because if I just did anything. Parce que si j'avais fait quoi que ce soit. When I did that. Quand j'ai fait ça. That's like listening to Nebo. C'était comme si on écoutait Nebo. Just making it up. On l'a juste inventé là. Without any reference point. Sans de point de référence. Now. Maintenant. We can see we're listening to God. On peut voir qu'on écoute Dieu. Because it's the same. Parce que c'est la même chose. But. Mais. We're going to see differences. Mais nous allons voir des différences. And that's what we have to begin to incorporate in our thinking. Et c'est ce qu'il nous faut incorporer dans notre réflexion. That even though it's the same. Même si c'est la même. And I don't want to limit what the sameness is. Et je veux pas limiter qu'est cette similitude. So I don't want to put a description of what that same is. Donc je ne veux pas ajouter une description de ce qu'est cette chose qui est identique. I want to keep true to what we've taught. It's the same history. Je veux rester vrai à ce que nous avons enseigné. C'est la même histoire. But there are substantial differences. Mais il y a des différences qu'on voit. So big. Si grande. If you weren't looking carefully. Que si vous ne regardez pas avec soin. You wouldn't even see. Vous ne les verrez même pas. You'd be listening to Nebo's voice. Vous écouteriez à la voix de Nebo. Because it sounds similar. Parce qu'elle semble être similaire. And what we have to do. Et ce que nous devons faire. Is make sure that it's the same. On doit s'assurer que ce soit la même chose. Once we do that, une fois que nous we can explain ça, the differences. Nous pouvons expliquer les différences. That's why you need to see that it is the same. Otherwise, there's no point in doing this. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous voyez que c'est la même chose. Sinon, il n'y a aucun point de faire tout ça. Otherwise, this movement's middle name. Parce que sinon, ce mouvement, le nom. Would be not. Name, c'est quoi middle name? The name that you don't use frequently. Donc le nom que vous n'utilisez pas fréquemment. Would be Nostradamus. Ça serait Nostradamus. Would be called the Nostradamus movement. On serait appelé le mouvement de Nostradamus. Because we just make random predictions. Parce que nous faisons juste des prédictions au hasard. And that's what Seventh-day Adventists are currently doing. Et c'est ce que les Adventistes font. They're making random predictions. Ils font des prédictions au hasard. Which look good. Qui semblent bien. They think it's based upon the word of God. Ils pensent que c'est basé sur la parole de Dieu. But it's not. Mais ce n'est pas le cas. It's not following the rules carefully. Ça ne suit pas les règles avec soin. There's many types of gods. Il y a plusieurs types de dieux. And the God that we think we might be following. Et le Dieu que nous pensons que nous suivons. Might be the wrong one. Pourrait être le mauvais. Let's pray. Prions. And we still didn't do harvest. Nous avons toujours pas fait la moisson. Hein. Help us.
Heavenly Father, we thank you for your goodness. We ask and pray for a blessing. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté. Nous te prions et te demandons une bénédiction. Help us individually and as a group. Aide-nous individuellement et en tant que groupe. To begin to become familiar. À commencer à être familier. With these rules, principles, these observations. Avec ces règles, ces principes, ces observations. Especially the one of overlapping. Et particulièrement celle de la superposition. Particularly the idea of repeating histories that look the same. Particulièrement avec l'idée de la répétition des histoires qui semblent être la même. But are substantially different. Mais sont différents substantiellement. How we can reconcile those issues. Comment on peut réconcilier ces points. We pray in Jesus' name. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.